I'm the one to be right, clean to be on the scene on that Texas team. I'm the one to be right, clean to be on the scene on that Texas team. Bonjour à tous, ici Gomba 80, on se retrouve pour une petite vidéo fun sur le jeu Samurai Warriors 3 sur Wii. Alors pour une petite vidéo fun, alors là, comme vous le voyez, on voit un petit personnage, hein. Je vais créer mon deuxième personnage dans le jeu, parce que comme je l'avais précisé dans l'unboxing, hein, j'avais fait, c'était écrit, comment dire, qu'on pouvait créer nos persos, donc là j'en ai créé un, c'est mon deuxième, puis ça fait que c'est mon troisième perso jouable aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y a pas mal de modes en fait. Donc là voilà, j'en ai juste de la terminer, je voulais commencer la vidéo sur ça. Parce que quand même il y a beaucoup de trucs sur l'arme, type d'évolution, apparence, le nom. Donc voilà, enfin, donc mon personnage là qui s'appelle Tempête. Sauvegarder les changements, voilà. Donc certains se demanderont peut-être pourquoi Tempête, mais bon, je vais pas, on va dire c'est pour faire honneur à quelqu'un, et puis voilà quoi. On dirait pas plus, c'est un peu personnel, donc voilà. Puis là je vais vous montrer vite fait mon autre perso, Yun, donc c'est un go, hein. Voilà Yun, donc vous avez vu, il est tout bleu, hein, peut carrément changer les couleurs de l'armure, changer casque, tout ça, il y a plusieurs types de casques et compagnie d'armure. C'est bon, regarde, donc là, comme vous voyez, niveau 15, hein, donc là, on va commencer avec Tempête. Juste après, donc là, on quitte, hop. Venez sauvegarder, sauvegarde automatique, c'est vraiment super. Donc là, je suis déjà 3 heures de jeu, c'est vraiment déjà bon jeu, hein. Moi je trouve que vraiment il est pas mal. Ah, paramètres. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire, mettre en jap. Jusqu'à présent j'ai joué en anglais et puis je jouais plus comme ça. Au début j'ai regardé paramètres, mais bon j'avais pas trouvé. Donc voilà, donc on va se faire une petite partie. Donc là on est dans le menu dojo. Alors c'est quoi déjà? Alors, dans mode historique. En plus jouable en réseau. Donc voilà, vous avez vu avec quoi qu'on peut jouer quand même 4 manettes différentes. C'est vraiment vraiment pas mal. Moi je joue au combo Wiimote No Shot. C'est vraiment pas mal, donc aussi je vous ai passé une vidéo découverte, donc c'est aussi pour ça que j'ai une petite vidéo fun. Alors je sais pas trop si ça va durer longtemps ou pas. Ça va peut-être durer le temps d'une bataille, après ça dépend ce que c'est comme bataille. Donc là on va prendre Tempête. Voilà. Mais pour une fois aussi que je fais une fille en, comment dire, en perso, ça c'est rare. Même dans Skyrim, j'en ai pas. Oh, ah bah tiens, qu'est-ce que j'avais fait avec mon autre perso? Avec Yun, Yun a vaincu 554 ennemis. Alors, je vais tenter de refaire cette bataille. C'est bizarre, je savais pas qu'on pouvait interagir comme ça. Tenter de refaire cette bataille là. Voilà, le premier chapitre en genre normal. Donc ça, par contre, désolé, je passe, hein. Vous voyez quand même, les persos sont vraiment très très bien faits. Ah, ça voilà, c'est mon perso que je prends dans le mode histoire. Toujours le côté maléfique, le mal, je vais toujours vers le mal, hein. Je n'ai plus son nom à ce gars-là. On est vraiment dans l'ambiance Jap et compagnie, c'est vraiment. Pour ceux qui aiment les jeux Jap, hein, vous avez aimé, ou je pense notamment à Nono, hein, qui est lui aussi à Muramasa The Demon Blade. Celui-là c'est un très bon jeu aussi, Samurai Warriors 3. Pour ceux qui aiment Dynasty Warriors, c'est pareil. On voit le plan de bataille. J'ai rendu à 4 minutes. Ça va être parti pour l'action. Alors équipement.
possible du fantôme, ouais, c'est mon arme. Donc après je voyais qu'on avoir des bottes, des gants, armures et armes, mais bon pour l'instant j'ai rien, donc ça ne m'intéresse pas. Objet. Voilà, pour les guerriers prudents, y a, là c'est que des trucs qui redonnent de la santé, je prends tout le temps ça parce que. Bah, surtout au début on va dire que là je suis au niveau 1, on n'est pas hyper puissant. Après bah, c'est d'autres trucs hein. Pour par exemple augmenter le temps entre les combos, des conneries comme ça, augmenter la valeur de notre armure en combo. On va se prendre ça. Voilà. Début de la bataille. Allez, c'est parti. Donc là, j'espère que vous aimez quand même mon perso. Allez, c'est parti. Petit enchaînement. Donc, je vais juste appuyer sur la touche O pour taper, hein, pour attaquer. Là, vous avez entendu le retentissement de... Et mon objectif, où est-ce qu'il y a, il est là. Je dois battre ce gars-là. Et voilà, là j'utilise des coups spéciales, on va dire. Coups spéciales qui se déclenchent avec la petite croix. Et encore, c'est pas mon coup le plus fort. Donc là, en bas à gauche, vous voyez une petite barre verte. Donc là, c'est ma barre de vie. J'ai gagné de l'expérience. Ensuite, juste en dessous, il y a une barre à laquelle est remplie, une barre, barre violette. C'est par là que je dois aller. On n'est pas obligé de se fighter avec tout le monde, hein, c'est ça qui est bien. Bon, des fois, il y a du temps ou quoi. Et ensuite, donc là, vous voyez un peu la tête de mon perso, mais bon, comme c'est créé, on sait pas. C'est une tête comme ça, c'est pareil pour tout le monde, à peu près la tête. Est-ce que je m'en vais? Encore un peu de mal avec le plan là. Enfin, c'est pas là. Donc le plan en haut à droite et juste en dessous de la barre violette, il y a mes boules, des boules bleues, c'est des boules d'esprit je crois. Et alors, mon objectif il est là. Et ma barre rose violet là, c'est mon museau, c'est un pouvoir. Donc je vais le déclencher. Donc là ça va encore, c'est des petites animations, mais à des moments c'est vraiment des belles animations. Hop, déglinguer. Ah, je devais battre trois officiers là, comme vous avez vu. Allez hop, alors mon objectif, c'est par là. Là en fait j'ai 10 fois, mon attaque elle est bien plus puissante quand toutes les boules sont bien remplies, là c'est pas rempli encore à fond. Voilà, vous avez vu, il y a Ojo qui est en difficulté, je dois l'aider. Bon, je vais essayer d'aller battre l'autre là-bas, parce que Ojo je sais plus où est-ce qu'il est. C'est parti, ça fight. Hein. Après, c'est assez répétitif. On fait qu'appuyer sur un bouton et diriger. Mais bon. Moi, j'aime bien. Ça, on se défoule bien quand même. Allez, c'est parti. Et voilà, coup spécial. Très très beau. Alors par exemple lui Yoon, son coup spécial ça fait une tornade devant. Mon perso dans le mode histoire il plante son épée et puis tous les autres ils sont mis en cramé ou je sais pas quoi. Donc, je vais au secours de l'autre là, je sais pas trop où il est. Si je vais pas l'aider je vais crever. Ils sont par là. Alors,
c'est bon. Ojo était là sans battu. Et voilà. Presque mort, on a remis à. Il s'est remis de la vie avec une sorte de bonbon, je sais pas quoi. Une petite gemme, gemme qui servent pour le forgeron, c'est la monnaie, on va dire, les gemmes. Toujours une petite cinématique, de temps en temps. Et voilà, hop, une arme reçue. Puis là, comment dire, l'arme que la tempête a, c'est une arme que j'ai débloquée, parce qu'on peut débloquer les armes, prendre les armes des vrais personnages, on va dire. Donc c'est vraiment bien foutu. Pas mal de trucs à débloquer, tout ça. Ah, machin, Joe est en difficulté là. Normalement, il devrait être de l'autre côté. Où est-il? C'est ça qui est un peu chiant, faut pas laisser les autres quoi, si on laisse les autres c'est foutu, et si notre acolyte on va dire il se fait crever, c'est bon, il est là. On va les crever tous ensemble. Il y en a qui ont fait 50 KO en droite, comme vous pouvez le voir. Un capitaine de la garde là, une gemme reçue. De là. Non, ça peut pas aller par là. Ouais, des fois il y a des murs invisibles, hein, c'est le bras. C'est par là. Allez hop. Un niveau de plus. Par là, c'est un peu dans le merdier à se diriger. J'aimerais mon petit perso, la tempête. Rapide que j'avais mis sur la catégorie vitesse, un truc du genre. Je vais m'éclater. Allez, allez, divisé en 3, j'ai jamais vu ce coup là. Et voilà, 200 KO. Un bonus tactique là, ça donne des gènes ça quand on bat le. D'autres bonus tactiques. Il m'enchaîne. Mais bon, de l'expérience.
Red là, je vais voir Ojo là, qui est par ici. Et notre pote. Alors l'objectif qui est pas loin. Oh, notre gemme. Objectif. Un objectif qui est assez loin. Un bon petit abat, là. M'en vais, j'ai pas le temps de fighter. Oh, c'est ça qui est un peu chiant, hein. Faut presque se dépêcher. Ah, maintenant il me met un nouveau chemin. Ah, je vais même pas préciser, moi je suis la petite flèche verte là. Pour ceux qui n'auraient pas compris, hein. Un gros corps là. C'est peut-être un peu peu. J'ai pas le temps. Je dois escorter mon pote là. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Attends, mais il est là dans l'eau. Une bonne sorte de bombe, je sais pas quoi. Allez, vas-y là! Brandel! Oula, il m'a eu! Oula, je me suis pas enchaîné. Bon, bien sûr, on peut se protéger, mais bon. C'est un jeu de bois. De temps en temps, comme ça. Petit truc, après on l'enchaîne là, hop hop hop, et là une arme reçue. Alors apparemment il est derrière nous, notre acolyte là. Symbolisé par un point bleu. On peut pas y aller par là. Ah oui, il va aller devant moi maintenant. C'est un peu du n'importe quoi. Ah oui, il est là-bas. Non, il est là. Le champ est passé de l'autre côté, là, le gars. Apparemment. Et ouais, il est passé par ici. Je tiens pas à perdre, hein. On est déjà rendu à 18 minutes, hein, quand même, là-bas. Donc en bas à droite, hein, vous voyez aussi le nombre de KO pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y en a plein à battre. J'ai dans ta face. Après par contre question graphisme, hein, on voit que c'est de la Wii, hein. Allez, Ojo là, qui hop et là hop, c'est divisé avec la touche moins, on peut servir de ses boules aussi. Bien foutu ce truc là, on peut se diviser. Encore lui là.
prochaine, allez. Ici on peut monter à cheval et bon, les chevaux, t'as l'impression d'être en moto hein, quand tu es sur un cheval. Des chevaux équipés d'un moteur, c'est pas possible. Et voilà, petit coup de chaîne là. Ça a mis de la vie aussi en même temps. Attention, il m'enchaîne, il m'enchaîne. Et voilà, un petit niveau et un nouveau coup appris, voilà, arme reçue. Bon, tu coupes un rendel, et voilà. Bon, où est-ce qu'il est notre pote là? Je vais faire la batte. Et voilà, on récupère un peu de gemmes. De Paramatal! C'est par là que je dois aller, il est déjà parti en plus. Pas qu'il se fasse crever, sinon c'est perdu. C'est qu'il y a quelques règles quand même à respecter pour avoir une victoire. Hein. Oh là, attention! Ah, c'est parti! Allez, 300 KO. Une petite gemme ici, hop là. Vraiment bien le coup de la chaîne là. Ouais, voilà, je les fais tous voler. Ça fait un peu comme mon perso principal hein, qui envoie une onde de choc. Et voilà, battu, arme reçue. Encore un. Allez. Tout seul, trucidé. Puis en réseau, ça doit être plutôt pas mal aussi, hein. Bon, je sais pas par contre si ce jeu est dispo sur, comment dire, sur d'autres supports. Il faut l'escorter, là. Chef de la garde, là. Bon, capitaine, plutôt. Allez, voilà, j'adore le coup de la chaîne, là. Bien content d'avoir débloqué cette arme, ok, je vais débloquer pour tempête. Et une gemme, je crois. Ah non. Et voilà. Capoute. Et voilà, j'ai réussi à protéger. Je me dépêche. Pas envie de perdre, là c'est le champ, j'ai même pas de bidé, là j'arrête tout bidé, je serai tranquille. J'irai 10 fois plus vite quand même. C'est par là. Oh, faut que je trouve le passage. Qui est ici. C'est bien, on peut pas tomber quand même, sinon ça serait un peu bête hein, de pouvoir tomber. Pourquoi les autres ils vont dans l'autre sens, il faut aller aider notre pote. On va aller aider de quoi, je sais pas, il n'y a pas d'ennemis. Alors je
sais pas où est-ce qu'ils se dirigent tous là. Oh là, on se balade pour rien. Un peu le merdier. Belle petite armée quand même, hein. Puis en plus, je l'avais dit, 39 persos. Regardez un peu le mode d'emploi, là, le manuel, faut voir tous les persos qu'il y a. Très très bien, bien fait, tout ça, bien dessiné. Vraiment rien à dire. Hein. C'est Nintendo quand même. Il y a du Nintendo, je crois, il y a le point là, du. Pour avoir des, le truc pour avoir des points Nintendo. Non, quand il y a ça, c'est la chaîne Nintendo, je pense. Et voilà. Je peux couper un rondel. Et voilà, là on est parti, je pense. Espérons qu'on puisse passer par là parce que ça va embêter le monde. On va essayer de me dépêcher, les vieux archers de brin. Espérons que je vais pouvoir passer. Pas refaire encore le tour parce que vraiment c'est un peu chiant. Il y a du beau monde. Voilà là là là, faut appuyer. En même temps, quand je tape les autres, je peux recharger ma. Moi, ça y est, on a vidé ma petite barre de. Pour essayer de lâcher un gros coup. Voilà, je me fais bien trucider. Ah, ça va chier. Attention! C'est dommage, je peux même pas claquer mon super coup là. Quand j'ai perdu, c'est pas la peine. Je tourne au bout d'un moment. Je me fais qu'enchaîner là, c'est la misère, j'espère que je vais pas crever quand même. Ça serait vraiment merdique encore une fois de plus, hein. Faire des prestations puis encore crever à chaque fois, au bout d'un moment c'est un peu chiant quand même. Et voilà, là j'ai le super coup, là ils vont se faire matraquer. Et voilà, là, c'est parti. Hop. Mes collègues arrivent seulement. Et voilà, 400. Attention, watch it! Pas touché, hein, je crois. Encore rien à abattre. Je pensais pas que cette vidéo aurait est aussi longue, hein. Et pareil, j'ai aucune idée quand est-ce que je t'en posterai. Ah, c'est bon, lui il est battu. Comme ça, vous voyez un peu le nombre aussi de temps que ça dure une bagarre si c'est la fin. J'ai un petit bout de temps quand même. Il faudra un peu de temps quand même pour jouer, hein, sinon. Voilà, c'est la victoire et voilà. Allez, victoire à tempête. Alors après le truc aussi, vous allez voir vite fait, on continue un tout petit peu. C'est qu'on monte rapidement de niveau. On va réussir aussi.
Sachant que, comme vous avez bien vu au début de la vidéo, j'étais niveau 1. Alors, niveau 6 déjà. C'est bien sûr, on va le garder. On va le garder. Ça, on va l'échanger. Pas obligé de tout garder quand même. On va l'échanger aussi. Ah, une armure. Voilà, garder. Et voilà, sauvegarde. Donc voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo fun sur Samurai Warriors 3. Alors j'espère que vous aurez passé un bon petit moment, même si c'était un tout petit peu long, un peu répétitif et puis tout ça, mais bon, je trouve que c'est un bon jeu, moi je m'éclate pas mal dessus. Puis après, bah, si vous aimez Dynasty Warrior ou les jeux pour vous défouler, bah, en plus au prix dérisoire, quand même 10€ pour ça, quand même c'est sûr, oui, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine, bye bye.